Bonjour et bienvenue dans The Binding of Saga Plus Challenge où on a fait un run pas dégueu la dernière fois d'après Gridbot. Aujourd'hui, bon, c'est un perso, c'est Lazarus ça non? Ouais, c'est Lazarus. C'est Lazarus avec de la merde dans les mains. Et un run à la con. Donc on a moins de vitesse à cause de la pilule. Et du coup, c'est la merde. Hop. Bon, j'espère qu'on aura des salles secrètes, des item rooms pour essayer de rattraper ce truc. On a 20-20 quand même, ce qui est pas dégueu en fait comme item. Plutôt un bon truc pour commencer. Le magasin ne sert à rien. On va que jusqu'à Mom. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'on va avoir une grosse quantité d'item room dans ce run. Yep, pas d'item room. Donc, ouvrons ça. Peut-être que une salle secrète. Oui. Super. Le magasin, on a 6 centimes. Il y a peut-être un cœur gris dedans. Est-ce que je voudrais le prendre? Non. Bah, il n'y en a pas. Alors comme ça, c'est fait. Et la salle secrète normale, classique, se trouvera être... ici. Et ouais, c'est ça quand on connaît son métier. Pof. Bon allez, on fonce. Le boss. On n'est pas trop mal au chrono, si on le tue assez vite, ça ira. On a quoi cette fois comme familier? De la merde. C'est pas grave. On va faire avec. Il faut juste pas qu'on se fasse trop toucher. Et ça ira. Idéalement au prochain étage sur le deal with the devil. On pourra juste se suicider sur le deal lui-même. En espérant ne pas se faire trop toucher aussi. Pour pas perdre le deal. S'il y a des cœurs gris, je serais tenté de pas les prendre. Mais après c'est... Ouais, alors HP up, ok. Encore HP up. Bon. Non. Non. Non, 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 non. On ne prend pas ce genre... Oups. Parfait. Je préfère garder le truc qui me donne du pognon parce que je vais avoir sérieusement besoin de passer dans les magasins si à un moment je veux avoir des items. Parce qu'il n'y a pas d'item room. Alors ça c'est pas possible maintenant à moins que je prenne le cœur gris que voici. Il y a aussi l'arcade là-haut, le magasin en bas. Tellement de choix. Tellement de choix. Mla, 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 mla. Super. Je suis bien content d'être passé dans cette salle. Alors. Ah, on sait pas ce que c'est les items aujourd'hui. Bien, bien, bien. Bah, si moi je sais pas, j'achète pro. Ça, je crois que c'est plutôt cool. Allez, donne-moi un truc cool. C'est plutôt cool. Euthanasie. Ça veut dire que de temps en temps, on va tirer un tir qui one-shot les mobs qui touchent. Ça fait pas de mal. Voilà, bon, alors là, j'ai raté, mais si ça avait touché, ça l'aurait tué d'un coup. Bon, il est aussi mort d'un coup, mais vous avez compris, quoi. Hop, 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 hop. Avec un peu de chance, je vais pas me faire toucher par le boss, on va y aller tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme familier en plus là? Put! Mais pourquoi il est pas allé tout droit ce connard? Yeah. J'étais là et il a décidé d'aller là. Que ça m'énerve. Quand les ennemis décident de
pas prendre le chemin qu'ils doivent prendre d'habitude. Très énervant. Bon, c'est pas grave. Du coup... Voilà, on va aller faire la salle de combat, hein. Parce qu'on y est. Le magasin, on a déjà vu. Eh, hey, on a 15 centimes. L'item est peut-être bien. Peut-être. C'est un peu de la merde, cet item. Et ça, ça reroll pas les autres piédestaux qu'on a mis nous. Bon. J'ai gâché une bombe, c'est pas grave. Ok, hop. Et hop. En fait, j'aurais pu entrer par là pour la salle de combat, mais... En fait, on s'en fout, on va passer par la porte. Yeah, un cœur gris, un corps gris. Putain, je suis dégoûté d'avoir raté le deal là, mais alors, vous avez pas idée. C'était tout bien goupillé et tout, un ennemi facile, sauf qu'il a décidé de dire non. Je serai imprévisible aujourd'hui et je t'emmerde. Ça nous fait un étage de plus où on n'a pas notre boost de stats et ça c'est dommage. Oui, vas-y. Hop là, même pas on one shot les aides, c'est cool. Et tout ça pour une bombe. Ah, une bombe. Ça c'est cadeau. Nope. Allez, on se casse. Et on espère que le prochain étage se passera un peu mieux. J'avoue que ça me gâche un peu d'avoir raté ce truc. Surtout que là, on n'est pas super bien placé. Hop. Un bouquin. Un autre bouquin. Bookworm. De temps en temps, on va avoir des quad shots. Et c'est très bien. On va garder le bouquin là qui rend invulnérable à l'occasion. Pourquoi pour être invulnérable à l'occasion. Parce que ça va vachement nous aider en fait à ne pas se prendre un coup de boss dans la figure. Non, on peut pas la prendre. Pas de Tinted Rock. Oh putain. Ouh là 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 là. On a toujours des dégâts de merde, je rappelle. Et donc ces ennemis, aussi ridicules qu'ils soient, commencent à devenir une menace. Une menace en grand nombre. Voilà. Honnêtement, on va plier la bestiole et ensuite... Voilà. Il fait quoi lui? Il fait rien de spécial. Magasin? Magasin, magasin, pas transcendant. Oh. Broken stopwatch? Mais non. On va prendre le risque. Ok. C'est pas par là qu'il y a le boss. C'est pas cool. C'est là qu'il y a la salle secrète. C'est quand même pas cool. Si on arrive à pas se faire toucher sur le boss, on peut avoir un bon coup dans le deal with the devil. D'ailleurs, ça, ça ressemble vachement à une salle secrète. J'hésite à aller acheter le cœur gris. Hein. Vous savez quoi? On va être prudent. C'est pas un truc que je fais souvent. Être prudent. On va prendre ce cœur gris et ensuite on viendra prendre, j'allais dire Box of Friends, mais on a déjà un familier de merde. Donc Box of Friends n'est pas forcément une très bonne idée. Voilà.
Oh, tu peux tirer vachement loin, Coco. J'aimerais autant que tu ne le fasses pas. Merde. Saloperie, oui. Non mais oh. On se calme. T'as plus de tête. T'es pas censé viser aussi bien. Ça, c'est jamais mauvais. Ça, on s'en fout. Et là... Item de guppy. Et cœur. Voilà, pof pof pof. Donc je suis pas mort, j'ai pas profité de mon respawn. On va garder la tête de chat, ça fera des mouches. On est bientôt à 10 minutes. On y va. Caves tout. Le run n'est pas fantastique là. Mais bon, Hangman, pourquoi pas, Dagaz, ça sera très bien, ça nous fait de la vie. Le problème c'est que si on veut avoir une petite chance d'aller au-delà de... Ça c'est mieux. Au-delà de Mom, il nous faut des moyens de jouer une salle du sacrifice et ou avoir une pelle. Et comme la pelle c'est relativement rare, bizarrement... Marche bien le... Tu payes pas? Fantastique. Bon, on n'a plus les moyens de le jouer. C'est triste. Hop là. Parfait. Oh, tout va bien, c'était totalement prévu. Vous me croyez si je vous dis que ça aussi c'était prévu? Parce que faut pas, hein, des fois je dis de la merde. Que des ennemis explosifs sur deux salles d'affilée, c'est un peu chiant. On va tenter une salle secrète ici. Ou ici. Bien, bien, bien. Et on va se favoriser le deal ici. On va tenter le boss tout de suite. On a 36% de chance d'avoir un deal. Ok, alors on va se suicider. J'arrive pas à me suicider correctement. Ça nous booste un peu toutes nos stats. Du coup, j'ai pas de scrupule à prendre ça. Et... mais on va chercher la salle secrète secondaire que l'on n'a pas trouvé manifestement. Ça veut dire que l'étage là-haut il reboucle. Ouais mais on n'a pas trop le... J'allais dire on n'a pas trop le temps mais il nous faudrait de la vie à un moment. Beaucoup, et donc trouver le magasin qui est probablement deux salles en dessous du spawn. Il y a des chances en tout cas que ce soit le cas. Ben non, pas du tout. Donc il sera sur le côté. Très bien. Full Earth. Il ne sert à rien dans le contexte. Voilà. Allez, tirez, que je sache dans quelle direction vous allez. Putain, saloperie de saleté. Une chance sur deux, hein. Fallait que ce soit la mauvaise. On va commencer à utiliser plus Maw of the Void parce qu'il me faut de la vie, beaucoup. Et là, il n'y a pas de vie dans ce magasin, hélas. J'ai une bombe, je peux prendre un raccourci, je pourrais aussi... Ouch. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Il y a une arcade, on va faire la salle de combat. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des choses. Tata... Ah, il a pas payé deux fois. Donne-moi un item utile, s'il te plaît. Là, c'est super risqué, par contre, de le rejouer. Donc, on va pas le faire.
13 minutes 20, qu'est-ce tout. C'est bien ça. Super. Juste l'ennemi chiant qui est intouchable pendant 20 000 ans au démarrage. Voilà, merci. Ensuite, fistule. Pas un seul cœur noir, bien évidemment. Je veux dire, on a défoncé 3 millions de mobs, pas un cœur noir qui pop. Tout va bien. Merci. Bon, bah on se casse. On va prendre ça quand même. Bon, on n'a pas beaucoup de vie. Donc s'il y a une salle du sacrifice dans Depths 2, ça va être compliqué de la jouer en l'état. Mob of the Void, si tu pouvais payer un peu plus, je serais ravi. Sans vouloir te mentir, là, tu fais de la merde. Ouais, vraiment, ce serait vraiment bien que ça paye un peu plus souvent. Genre, au moins une fois, toutes les deux ou trois salles. Ce serait pas mal. Est-ce qu'on prend ça? Ouais, ça va nous donner les salles secrètes et éventuellement les crawl space. Donc c'est plutôt cool. Ok, ça c'est cool pour le magasin, mais on n'aura pas vraiment le temps de faire ce genre de conneries. Ok, il y a une salle secrète ici. Parfait pour la Cursed Room. Oh putain. Alors, premièrement, j'ai posé une bombe pour ouvrir la porte alors que c'était pas utile. Donc on va s'en éloigner tout de suite. Deuxièmement, tous ces trucs, c'est cadeau. Troisièmement, on va aller par là directement. Magasin gratuit. De la vie. Une explosion de shopkeeper. Encore de la vie. Une explosion de shopkeeper. Non, une explosion de machine, on a dit, s'il vous plaît. Ranch down, ok. De la vie. De la vie. De la vie. Si un mama méga, je prends. J'ai plus de bombes. Ok. Hop, hop, hop. De la vie. Et puis c'est tout. Ok, on a quand même bien remonté notre barre de vie. C'est bien pour les salles du sacrifice. Il y en a une là, mais c'est beaucoup trop tôt. C'est dans Depths 2 qu'il nous la faudrait. Sinon, ça rapporte pas tant de points que ça. Ça rapporterait un peu des points, mais pas significativement. Par contre, il faudrait qu'on y arrive dans Depths 2 avant... que ce soit la merde. Avant que le chrono nous dise que c'est trop tard. Voilà. Merci les mouches. Hein. On a quand même fait une grosse part du boulot. Deuxième item de Guppy. Ça se trouve on va se finir Guppy et ça ira super vite sur la fin. Ok, j'aurais pas dû faire ça, c'est très con de ma part. Je suis pas immortel quand j'ai le Maw of the Void, je suis juste très efficace en termes de violence. Il faut que je m'en souvienne. J'aimerais bien trouver le boss à un moment. Je vous avoue que là c'est un peu l'objectif. Sérieusement quoi. C'est un peu l'objectif. Non avoué. Ou totalement avoué, on va être honnête. Le boss est là. Voilà, tac, tac. On n'a pas trop le temps de fanfaronner. Mister Vice. Et merci, au revoir. Deal... Non, 80%, ben on les a pas eu. 80%, ça semblait bien parti pour avoir un deal, mais non. Depths 2, ok, là il faut trouver le boss aussi très vite. Mais pas y aller trop vite non plus, parce que de toute façon on utilisera The Fool pour ressortir du combat au besoin. En fait, du coup, on peut y aller carrément aussi vite qu'on veut parce qu'on ressortira quand même après. Voilà. Ça se trouve, on est dans la bonne direction dès le départ. Ça n'arrive jamais. Oui, j'ai bien vu le Tinted Rock. Non, on n'est pas dans la bonne direction. Peut-être encore, hein. C'est pas exclu. Voilà. Paf, paf, paf. On va tenter un coup d'œil au magasin quand même. On a 100% de chance de deal. Vous savez quoi? Au point où on en est, on va faire ça quand même. Comme ça, on perdra pas notre trinket, qui est quand même plutôt cool. Plap, plap. Le boss est là, bah c'est fou ça.
Comme il n'y a pas d'item room, on va y aller tout de suite. Il tire en mourant ce sac. Ça c'est cadeau. Ouais, alors on va s'en passer, hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce qu'il nous faut, donc voilà. Alors, mum normal, qui va vraiment, vraiment pas faire long feu, là, pour le coup. Allez. Voilà, a pas fait long feu. Donne-moi un item cool, toi. Ça ira. Spoon, bonus de dégâts. Alors les deux items qui restent sont pourris. On va prendre ça parce que j'ai un demi-cœur rouge, donc ça va proc à chaque fois si je gère ça correctement. Et ici, on va prendre... on va prendre ça. Ça devrait augmenter notre efficacité légèrement. Ou le bouquin. Tire à tête chercheuse, ça sert jamais à rien. Voilà. Quoi? Ah ouais, par contre, Mob of the Void, on va y aller. Hein. Y a pas de discussion. C'est l'item. Genre, avec les dégâts qu'on fait, ce serait bien malheureux de pas le faire. Mob of the Void est indexé sur nos dégâts, en fait. Donc forcément... Hop. Ouh, il a failli me toucher beaucoup de fois avec son explosion, lui. Oh putain, je t'avais pas vu, toi. Ah, fistula. Mauvaise journée. Fallait pas me faire chier. Bien. Allez hop. Ouais, les os qui explosent, ça aide. Dingle. Dangle. Parfait, il y a un ad quelque part. Ok. Ok, alors, putain, monstro et blot en même temps, c'est un peu chiant. Blot est mort. Monstro va pas tarder à le suivre, bien évidemment. Voilà. Quoi apparaît? Ah ouais. Ah bah tiens, on est vulnérable. Dommage. Ok, donc les petits fantômes. Là, je me sens beaucoup mieux armé pour me battre contre ces merdes. Voilà, parfait. C'est du bon boss rush quand même, tout ça, hein. C'est du bon boss rush. Ok, c'est quoi qui m'a touché deux fois? Il y avait du creep. D'où il vient, ce creep? Très étrange. Ok, il y a Death en face. On va s'occuper de Death. Le cheval dans la gueule. C'est pas grave. Ouais, Death c'était vraiment prioritaire. Voilà. Oh putain. Il m'a foncé dessus. Off screen, je ne pouvais pas le voir. J'aurais pu m'en douter après, mais... Et t'arrêtes de rebondir dans les angles à la con, toi. Voilà. Mort, c'est bien. Ok, non, toi. Ah bah, on a quand même droppé un cœur noir avec tout ça. Hein. C'est énorme. On a tué quoi, 50 ads? Arrête de faire des ads. C'est pourtant pas compliqué. Tu fais pas des ads. Voilà, tu vas... Non, c'est un guiche, il a une barre de vie. Je te raconte pas, quoi. Olé. Merci. On doit pas être loin de la fin là quand même. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite toi. C'est fait aussi. On doit vraiment pas être loin de la fin. Eh ben pourtant. Le creep. Ok. Toi. Toi tu fais du creep aussi, c'est un peu chiant. Mais. Tu peux aussi attirer à Knelping, connard. Vous savez quoi, on va supposer qu'on va survivre à cet étage. Et donc du coup, je prends l'item. J'ai la foi. On a toujours accès au deal.
savez quoi? Léviathan, on vole, nickel. Full health ne sert à rien. The Fool! Allez, s'il y a une salle du sacrifice, on discute. Après, il faut qu'il y ait une salle du sacrifice. S'il n'y en a pas, on ne fait que prolonger l'inévitable, retarder l'inévitable. On pourrait gagner Scatol, item relativement rare. Mais bon, c'est pas vraiment le but. Oh, mais il va y avoir une trappe d'ours ici. C'est peut-être un crawl space. C'est peut-être un black market. Oui, en plus. Deux. Ah, il n'y a pas la trappe d'ours par contre. Et il n'y a pas de pelle. C'est triste. Il y aurait eu une pelle ici. On aurait pu faire un truc cool. Il y a pro. Toi. Mais pourquoi j'ai touché le lit, j'ai tous mes cœurs. Ça rajoute 3 cœurs gris, mais on est déjà au max, quoi, donc c'est complètement con. C'est complètement con. Ok, par contre, du coup, vu le volume de salles secrètes qu'on trouve, je suis pas rassuré par rapport à la possibilité d'avoir... Ah, j'ai plus de bombes. Merci. Je suis pas rassuré par rapport à la possibilité d'avoir une salle du sacrifice, mais bon. Yeah, ça fait des points, toujours. Et ça va passer vachement vite en plus. Oh, j'ai pas envie de me faire toucher inutilement, c'est pas déconné non plus. Ah bah c'était la fin. C'est gratuit. C'est même plus que gratuit, ça rapporte des sous. Franchement. Et ça aussi, hop. On a eu l'autre salle secrète déjà, donc ouais, il n'y aura pas de salle du sacrifice. Et on a déjà eu le crawl space de l'étage, donc il n'y aura pas moyen d'aller plus loin. Donc j'aurais soit dû jouer la salle du sacrifice de l'étage d'avant. Soit, ben, en fait, c'est tout. J'aurais dû jouer la salle du sacrifice de l'étage d'avant. Ou alors avoir un deal with the devil en plus, ce qui m'aurait peut-être permis d'avoir l'appel. Parce que là, voilà, je me classe encore une fois dans le rang des joueurs moyens en ayant 3 chiffres à mon classement. C'est nul! Ouh! Remboursé! Remboursé! Voilà. Non, le run était cool, mais c'est... j'aime pas trop les run mom, tout ça, parce que c'est chiant, ça, ta mom. Genre, ça fait une vidéo super courte, ça fait une partie super courte. Genre, tu construis un truc, tu construis, puis en fait, on te dit, non, mais en fait, au-delà du rez-de-chaussée, non. C'est chiant. Allez, dos.